but he's over in the corner over there and he's selling his merch and he's checking to make a living, but that guy's been holding the line for 2 years out in the cold. So go see Vlad. All right, here we go, André. Vas-y donc, mon ami. Merci. Ouais. Merci. C'est un texte qu'on a écrit ensemble. Parce que c'est inspiré de nous. On va le crier, on va le faire résonner dans l'univers. J'ai la profonde conviction que l'esprit a une influence sur la matière et que nos désirs se réalisent. La paix et la lumière triomphent. Que les masques tombent et que nos rires et notre humanité dissipent la peur de respirer. De cette merveilleuse planète s'unissent pour conserver leurs droits fondamentaux et leur capacité qu'a le corps à s'auto-guérir. Que les femmes et les hommes s'unissent pour combattre les crimes perpétrés par certains dirigeants qui se cachent sous le couvert de la bienveillance. L'intégrité physique de nos enfants et la pureté de notre sang soit un choix préférable à la propagande publicitaire des milliardaires. Que les discours haineux de ségrégationnistes par certains médias, journalistes et politiciens soient dénoncés et noyés dans une vague d'amour. Que l'art et la science, libres de cachets honteux, rayonnent plus que les politiques dictatoriales et liberticides et que le totalitarisme disparaissent rapidement de nos vies. Que ceux qui sont corrompus et qui nous gouvernent et qui nous trahissent soient jugés et emprisonnés. Qu'il est préférable de s'informer avec l'esprit honnête et en paix pour que la paix s'incarne sur la terre mère. Que Gaïa soit un paradis à vivre et non à dominer.